Un peu plus de 2 ans du retour historique du golf aux Jeux Olympiques, la Fédération Française de Golf a demandé à Patricia Meunier-Lebouc d'être la référente JO pour les dames. Les contours précis de sa mission restent à définir, mais l'ex-championne est en charge d'assurer le lien entre la fédération et les joueuses potentielles de la future équipe de France à Rio. Un rôle taillé sur mesure pour l'ancienne vainqueur de majeur, toujours aussi motivée lorsqu'il s'agit de porter haut les couleurs françaises. Je suis extrêmement fière d'être référent JO parce que c'est quelque chose que je n'ai pas vécu moi-même. Et aujourd'hui, je vais pouvoir en faire partie quand même et aider ces jeunes femmes à performer au plus haut niveau et nous ramener des médailles. Au bout du compte, c'est quand même ça qui est intéressant, c'est ramener des médailles et nos joueuses, Karine, Gladys et toutes celles qui seront potentielles pour les JO, ont largement la capacité de les avoir, ces médailles. La nomination de Patricia Meunier-Lebouc est une excellente nouvelle pour les deux meilleures joueuses tricolores, Karine Hichet et Gladys Nocera, très concernées par l'objectif JO. Je m'entends très bien avec elle, on a passé un peu de temps ensemble. Non, c'est bien, une joueuse d'expérience comme ça, qui a gagné un majeur, qui a gagné des tournois, peut être encore plus proche de nous. Elle comprend tout à fait ce qu'on peut ressentir. Elle est passée par là, là où on passe, donc c'est bien. Ça peut que nous aider en tout cas, et ça peut être que un point positif pour le camp tricolore, ça c'est évident. Elle a tout joué, elle a gagné les plus gros tournois, donc pour nous, c'est Patricia, c'est le top du top, et on ne peut qu'apprendre d'elle. Donc qu'elle soit référente, évidemment, c'est l'occasion pour nous de choper des infos, de discuter avec elle et de évidemment l'objectif ultime, être dans l'équipe, quoi. Rien ne peut se passer sans les joueuses, et qu'aujourd'hui on ne peut pas installer un plan d'action sans le faire complètement associé aux joueuses. Donc mon but aujourd'hui, voilà, c'est de commencer à prendre contact avec elles, ce que j'ai déjà démarré, ce que je vais continuer dans les temps qui viennent. Meunier-Lebouc a également commencé ses consultations auprès d'autres responsables sportifs dont l'héritage et le passé olympique sont plus importants. Les autres disciplines, ils ont déjà vécu certaines choses que nous n'avons pas vécues, tout en sachant aussi que les conditions golf sont très différentes et qu'il faut aussi développer notre propre esprit olympique au milieu de l'olympisme. Avec cette phase de dialogue indispensable, c'est le premier étage de la fusée olympique que la FF Golf vient d'allumer. Décollage prévu dans 26 mois au Brésil.